À la une de l'actualité, les travaux de la 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, qui ont débuté le 23 mai à Sharm el-Cheikh, s'achèvent aujourd'hui. En marge des réunions, la journée de l'Afrique a été organisée hier. Cet événement coïncide avec la création de l'Union africaine en 2002. Au cours de la journée de l'Afrique, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Ashraf Sobhi, a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sissi avait mis l'accent sur l'importance du continent africain dans tous les domaines et a appelé à l'autonomisation des jeunes. Il a ajouté que le ministère de la Jeunesse avait élaboré une stratégie pour la formation des jeunes.